Nous sommes dans les faubourgs de Pékin. Thomas Sauvin, un Français installé en Chine depuis bientôt 10 ans, part à la récolte d'images. Chaque mois, il s'aventure dans cette zone de recyclage illégal. Plastique, métaux, papier, toutes sortes de déchets terminent ici. Thomas, lui, s'intéresse à une chose, les négatifs de photos. Quelques heures de route plus tard, nous voici chez Xiaoma, un recycleur clandestin qui fuit la caméra. Dans son entrepôt, il récupère tout ce qui contient du nitrate d'argent. Donc voilà ce qu'il récolte, très majoritairement des radiographies, des négatifs utilisés pour imprimer des livres et des catalogues, et en fait il va tremper tout ça dans un bac d'acide. Et après quelques jours, il va récolter le nitrate d'argent. Donc il va récupérer une poudre noire qu'il va revendre à des chimistes. Et si j'ai bien compris, c'est un produit qui permet d'attester de certaines réactions chimiques. Sa réserve est constamment approvisionnée par des rabatteurs qui travaillent pour lui sur toute la province de Pékin. Une mine de matériel pour Thomas. Alors là, j'ai pas mal de réunions. Un match de ping-pong. La vie quotidienne, faire avec des bonnes choses. Il n'attache aucune importance au contenu des images. Donc lui, que ce soit une radiographie de colonne vertébrale brisée ou que ce soit 20 ans de la vie d'un Chinois, ça ne fait absolument aucune différence. Il est convaincu qu'elles sont parfaitement banales. Et il n'a pas totalement tort. Mais justement, c'est ce qui me plaît. Avec l'arrivée du numérique, les négatifs se font de plus en plus rares. Ils sont pourtant la mémoire des Chinois ordinaires que Thomas recycle inlassablement depuis 2 ans. Photos de vacances, souvenirs de famille, fêtes entre amis, les clichés paraissent banals, mais ils sont rares. Des premiers Kodak grand public en 1985 jusqu'au numérique qui signe la fin de la pellicule vers 2005, nulle part ailleurs cette période de changement profond n'a été aussi bien documentée. Ces photos montrent 20 ans d'histoire vue de l'intérieur, dans l'intimité des Chinois ordinaires. Cette Chine-là, 1985-2005, c'est l'après. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. De retour au bureau, dans les routons du centre, Thomas ramène son précieux butin. Certains négatifs, trop usés, sont inexploitables. Les autres sont passés à la loupe, sur une table lumineuse. Les images défilent. Et toujours l'espoir de tomber sur une pépite. Il y a une grande part de l'excitation que je peux avoir à regarder ces images au quotidien qui passe par cette sensation de rentrer dans la vie des gens. En 36 photos, on a le temps de rencontrer quelqu'un, on a le temps de rencontrer un photographe. On a des indices, on peut savoir quand les photos ont été prises. On peut imaginer si c'est plutôt un homme ou une femme qui les a prises. Si c'est plutôt quelqu'un de drôle, plutôt quelqu'un d'ennuyeux, plutôt quelqu'un de strict. On apprend pas mal sur le photographe. Et ça, c'est un moteur à ce projet. Il trie, archive et sélectionne tout. Chaque planche est numérotée et rangée dans la réserve. Un travail de fourmi
qui, au fil des années, lui a permis d'amasser plus d'un demi-million de clichés. Une œuvre gigantesque. Il envoie ensuite les planches sélectionnées à scanner. Nous nous rendons chez Xiao Wang. Bien qu'ils travaillent ensemble depuis le début du projet, c'est la première fois qu'il se rend chez lui, dans un quartier reculé de la ville. Il numérise des négatifs toute la journée, un travail à plein temps qui l'occupe depuis 2 ans. En un peu plus de 2 ans, il a scanné pas loin de 250 000 négatifs, à raison de 9 000 par mois. Parfois, il était aidé par un ami pour passer à 18 000. Donc il est là depuis le début. Toutes les images qui sont dans cette archive lui sont passées entre les mains. Quelques semaines plus tard, arrive un disque dur rempli d'images. Une cigarette, quelques instructions, une poignée de main, et le coursier repart avec un autre carton de planche à scanner. Thomas s'installe confortablement. Il découvre enfin les photos qu'il avait confiées à Xiao Wang. À force de les regarder, des regroupements et des séries se forment dans son esprit. C'est toujours cette même fontaine là. Tu vois? Ça, c'est dans un parc qui est au 4e périphérique au sud-ouest de Pékin. Oui. Toujours cette cascade. Cette cascade. Cascade. Et celle-là, en fait, c'est devant, mais ils n'avaient pas encore mis en route les systèmes. Et pour la petite anecdote, elle tient une bouteille d'eau comme ça. Les photos accidentelles. Celle-là, quand même. Toutes les photos de grandes murailles sont toujours super chiantes. Mais celle-là est magnifique. Quelqu'un était en train de poser et lui est passé. T'aimes bien les pigeons, hein? J'aime bien les pigeons. J'aime bien les accorder. Ce travail, il le réalise avec l'aide de Wang Liang, son assistante. Elle est là depuis le début et connaît bien l'archive. Thomas redonne une nouvelle vie à ces clichés en les exposant dans les festivals de photos internationaux. Sa sélection évolue constamment au fil des arrivages. À terme, il en fera des publications. Non pas des livres, mais des boîtes qui contiendront 100 clichés sélectionnés aléatoirement. Le but serait de recréer un petit peu l'excitation et le caractère aléatoire qu'il peut y avoir dans une démarche où on reçoit un sac. J'aimerais bien m'éloigner d'un editing où je tente de raconter une histoire, de créer une narration, parce qu'en fait, je crois que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Mais il veut aussi faire vivre sa collection à travers d'autres regards, comme celui de Lei Lei, un jeune artiste chinois, interpellé par ce que révèlent ces images de son pays. Ensemble, ils préparent un film d'animation réalisé à partir de l'archive. Lei Lei vient lui montrer les premières images du projet. How many pictures did I give you? Maybe 13. Okay, that's good. Just like this. Yes. It's just 8 seconds. Quelques mois et des milliers de photos plus tard, voilà le résultat. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping.
photographe et la personne photographiée. Plus tard, ultime reconnaissance pour Thomas, c'est Martin Parr, une référence mondiale de la photographie, qui frappe à la porte. I collect books, but I think this is terrific. I love the idea of buying negatives by the kilo, and the lottery of what you might find. And of course, if they weren't here, they'd be underneath the soil by now. So it's a very good rescue. Lui aussi est un grand collectionneur. Il expose ses livres de photos les plus rares dans des musées. Et quand il découvre le projet de Thomas, il n'a qu'un commentaire. Thomas is a genius. Okay, it's okay, we have it. Just cut everything. Fill me up with your smile.